Adopter un chiot est sans aucun doute une expérience passionnante. Cependant, avant que votre nouveau meilleur ami n'arrive à la maison, vous devez connaître 10 choses absolument essentielles à son bien-être. Découvrez-les dans cette vidéo de Planète Animal. Panier et couverture. Juste avant qu'il n'arrive chez vous, vous devriez lui acheter un panier confortable et quelques couvertures pour l'hiver. Le panier doit être adapté à sa taille et il vaut mieux qu'il soit souple. Il est préférable de le mettre dans un espace qui lui permette d'avoir de l'intimité à l'heure de se reposer, mais qui en même temps lui permette de s'intégrer à la vie familiale. On vous recommande de le mettre dans un endroit calme, à l'abri des courants d'air. Récipient pour la nourriture et l'eau. Il en existe de toutes les couleurs, de toutes les formes et dans divers matériaux, tels que du plastique, du métal et de la céramique. Ils doivent également être choisis en fonction de la taille du chien. D'autre part, il y a aussi des bols pour boire qui sont extrêmement attrayants pour les chiens, car ils les incitent à boire davantage. Jouer. Le jeu est une activité fondamentale pour le bien-être, la santé et le développement du chiot. En outre, lorsqu'ils sont jeunes, ils ont tendance à tout mordre parce que leurs dents poussent, ce qui leur fait souvent très mal. C'est pourquoi, si vous voulez éviter des dégâts inutiles chez vous, il est essentiel de disposer de jouets qui permettent de rediriger ce comportement vers des accessoires adaptés. Découvrez les meilleurs jouets pour chiot dans la vidéo ci-dessus. Plaque d'identification. L'identification de votre chiot est cruciale pour sa sécurité. L'une des premières choses à faire est de commander une médaille sur laquelle sera indiqué son nom, votre numéro de téléphone, ainsi que votre nom. Ainsi, s'il se perd au cours d'une promenade, la personne qui le trouve peut vous aider à le retrouver. Si vous souhaitez bien faire les choses, la technologie des micropuces est désormais une option bien plus sûre. Collier ou harnais et laisse. Il est généralement recommandé d'utiliser un harnais plutôt qu'un collier, car ce dernier est généralement plus sûr et évite de lui faire mal au cou quand il tire sur sa laisse. Quant à la laisse, il est vivement conseillé d'en choisir une de 1 à 3 mètres de long, de préférence réglable, ce qui nous permettra d'offrir une bonne promenade et de la liberté au chien. N'oubliez pas que vous ne pouvez sortir votre chiot dans la rue que si tous ses vaccins sont à jour. Accessoires d'hygiène. Bien que vous deviez attendre que les vaccins de votre chiot soient à jour avant de lui donner son premier bain, il n'est pas inutile de commencer à acheter tous les accessoires nécessaires pour bien le laver. En attendant qu'il ait ses vaccins, vous pouvez acheter des lingettes pour chiot. N'oubliez pas de toujours choisir des produits spécifiques pour chien. Caisse de transport pour chien. La caisse de transport est un accessoire de base pour transporter nos chiens en voiture, mais elle peut aussi être très utile pour les visites chez le vétérinaire lorsqu'ils sont particulièrement malades. Ces articles doivent être choisis en fonction de la taille du chien. Idéalement, votre chien devrait pouvoir s'y tenir debout et se retourner à l'intérieur, ainsi que s'y allonger confortablement. Éducation du chien. L'éducation est cruciale pour une bonne relation avec votre chien, pour éviter des situations ou des comportements indésirables, pour comprendre comment se comporter et pour qu'il communique plus facilement avec vous. L'éducation de base des chiots doit commencer dès le plus jeune âge et peut être effectuée par vous-même ou en demandant conseil à un éducateur canin ou à un maître chien. Ci-dessus, nous vous laissons une vidéo dans laquelle nous vous expliquons comment éduquer un chiot. Socialisation. La socialisation du chiot commence vers l'âge de 3 semaines et se termine vers 3 mois. Il s'agit d'un processus au cours duquel le chien apprend à établir des relations avec toutes sortes d'animaux, de personnes et d'environnements. Si nous ne le socialisons pas correctement, nous observerons qu'il n'interagit pas correctement avec les autres individus, qu'il a peur et qu'il est agressif. Il est essentiel qu'un chiot ait la liberté de tout explorer afin d'éviter tous ces problèmes. Amour. L'amour, l'affection et le respect sont les piliers sur lesquels doit se construire votre relation avec votre chien. N'oubliez pas que l'adoption d'un chien est un engagement qui peut durer, selon l'espèce de vie de la race, entre 12 et 16 ans de votre vie. Il faut donc que vous soyez prêt à remplir vos obligations et à lui fournir le confort dont il a besoin. En retour, il vous récompensera avec son amour, sa protection, sa compagnie et sa loyauté. Si vous souhaitez continuer à vous renseigner sur les soins pour les chiens, ne manquez pas la playlist que nous vous laissons ci-dessus. Est-ce que vous venez d'adopter un chiot? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.